Oh, man! Everyone, behind me! Incoming! This will help. Another successful procedure! Et salut tout le monde, c'est Mathieu et on se retrouve pour la deuxième partie de cette pre-update de Man vs Machine, Twin Cities. Donc dans le mot Two, il y a deux et Cities, c'est ville. Donc il y avait deux villes et cette fois nous allons découvrir la seconde ville. Et la seconde ville n'est autre qu'une ville très particulière puisqu'il s'agira en fait de la ville natale du Mehdi qui n'est autre que Rothenburg, ici. Alors ils ne l'avaient pas révélé la dernière fois mais ils l'ont révélé. Donc le trailer, oui, je vous l'ai mis en début de vidéo comme ça. Donc apparemment le Mehdi, on combattra en Allemagne cette fois au lieu que ça soit Pretzimanko. Les robots vont essayer d'envahir les villes, donc voilà, donc c'est une sorte d'invasion générale. Ensuite nous aurons une nouvelle des nouvelles armées, uniquement Man vs Machine, je suppose. Le réanimateur, donc comme vous avez pu voir dans le trailer, il s'est activé, il a réanimé les membres de l'équipe mort en rassemblant les membres. Après les seringues au lait, j'ai pas bien compris ce que c'était. Voilà, mais bon, ça va être sûrement des seringues qui d'affilée de la pêche ou des ubercharge. Et le projectile shield, qui n'est autre qu'un bouclier, qui sera déployé par le médic à mon avis. Puisque cette update Man vs Machine tourne un peu autour du médic. Ta gueule. Et ensuite, on aura une nouvelle. Comment on appelle ça? On aura une nouvelle amélioration pour les roquettes du soldeur. Elles iront un peu plus vite, voilà. Et on aura bien sûr les succès. Et là, nous avons à peu près à quoi ressemble la map de Rothenburg. Et bien sur ce, les amis, que je vous dis bye bye, et bien on se retrouvera pour l'update qui est déjà disponible. Sur ce, je vous dis peace et bye bye, encore une fois.